Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Nous nous intéressons ici à la première dame du Togo, ou du moins les prétendantes à ce titre, car il faut préciser que le Togo de Faure Yassingbé est pratiquement le seul pays en Afrique, voire dans le monde, à ne pas avoir une femme officiellement désignée comme épouse du chef de l'État. En témoigne l'absence de la représentation du Togo dans les colloques ou rencontres des premières dames du continent africain, comme celle organisée les 6 et 7 juillet 2019, au cours de laquelle les premières dames des pays de la CEDEAO se sont retrouvées en marge du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey, où elles ont porté leur voix sur la lutte contre le mariage des enfants et la promotion de la scolarisation de la jeune fille en Afrique de l'Ouest. 14 premières dames s'étaient alors retrouvées pour plutôt 15 pays membres de la CEDEAO. Faure Yassingbé est toujours célibataire, mais une source confirme qu'il est très proche des femmes. L'opposant Agbeyome Kodjo, au micro des journalistes de Peuple Observateur, était allé plus loin en disant peu avant les élections du 4 mars 2010 que la collection des femmes était le vrai bilan du premier quinquennat de Faure. Une situation matrimoniale du président trop peu courante et qui, ailleurs, aurait été vue comme une attitude en divergence avec la bienséance qui doit caractériser la première autorité du pays. Et pourtant, malgré ses nombreuses années déjà passées au pouvoir, le président Faure Yassingbé n'en fait pas une priorité. Le sujet a fait pendant de nombreuses années des polémiques au sein des citoyens togolais et des médias. Tant, à chaque fois, celle que l'opinion pense détenir comme première dame finit par se retrouver dans l'arène avec plusieurs autres prétendantes. Nous vous présentons dans cette vidéo des femmes qui ont partagé la vie ou qui sont très proches du président togolais Faure Yassingbé au point d'être vues comme une potentielle première dame. Si vous êtes nouveau sur la tour de contrôle, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. C'est parti. Précisons avant de commencer que Faure Yassingbé n'est pas le premier président togolais resté à couteau tiré entre les femmes. Il est l'un des 135 enfants qu'aurait eu le général Yassingbé Eyadema, son père et ancien président ayant dirigé le Togo d'une main de fer pendant près d'une quarantaine d'années. Le président Faure a émergé au sein d'une famille polygame remplie de rivalités avant de prendre le pouvoir à la suite de la mort de son père en 2005. Des rivalités qui demeureront même après sa prise de pouvoir et qui verront Pacha Yassingbé, demi-frère de Faure Yassingbé et ancien ministre de la Défense, arrêté puis incarcéré jusqu'à ce jour, soupçonné en 2009 de préparer un complot pour renverser son demi-frère. Revenons à notre sujet. Nous avons en première position Carlita Amorin. Carlita Amorin a eu deux enfants avec Faure. Elle est l'une des épouses, ou du moins compagne du président et prétendante au titre de première dame du Togo. Mais des sources affirment qu'elle n'est pas favorablement appréciée de la maman du président, Madame Sabine Mensa, qui est très présente dans le choix des compagnes de son fils. C'est ce qui aurait fragilisé la proximité de Madame Carlita Amorin d'avec son homme. Très populaire et bien connue pour son sens de partage et de soutien aux couches vulnérables, à la mi-2020, elle a fait don de dispositifs de prévention à la propagation de la maladie à coronavirus dans deux communes proches de la frontière avec le Ghana. Sina Lawson. Sina Lawson est une femme politique togolaise. Elle intègre en 1994 l'Institut d'études politiques de Paris avant de terminer ses études à l'Université d'Ava où elle sera en charge d'études sur le développement en Afrique. Pendant son cursus à l'Université d'Ava, elle obtient un stage à la Banque mondiale. Sa mission est de conseiller les gouvernements en matière de télécommunications. Après son diplôme, elle travaille d'abord chez Alcatel à Paris de 2002 à 2005, puis à New York chez Orange de 2005 à 2010. Elle aurait, avec le président Faure, une relation qui a commencé quelques mois après son entrée au gouvernement formé en mai 2010. Depuis le 17 septembre 2013, elle occupe le poste de ministre des Postes et de l'Économie numérique au sein du gouvernement togolais. En 2013, elle est classée parmi les 25 femmes les plus influentes du business en Afrique, selon le journal Jeune Afrique. Ingrid Awadé. Actuelle directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale,
celle que les Togolais se plaisent à appeler la première dame, a réussi à se glisser dans les couloirs de la présidence en tant que conseillère financière de Faure Yassingbé depuis le décès du père de ce dernier. Et depuis, elle est restée dans le cercle fermé de l'homme fort du Togo, la Direction générale des impôts, à la Caisse nationale de sécurité sociale, en passant par la délégation à l'organisation du secteur informel. Ingrid Awadé est surtout connue pour ses méthodes fortes, d'où lui vient l'attribution du surnom de Dame de Fer. À en croire certaines sources, elle est à la tête d'une immense fortune comprenant des appartements luxueux, dont certains en France. Elle aurait également une proximité avec des officiers supérieurs de l'armée togolaise qui lui obéissent à sa demande. Elle s'est fait également entendre en 2017 à son arrivée à la tête de la CNSS en sommant son prédécesseur de rembourser une somme de 6 milliards de francs CFA avec des intérêts. Sa proximité avec le président togolais date de très bien longtemps et ne serait pas que professionnelle. Edwige Badakou. Edwige Badakou est la Miss Togo 2004. Elle a ensuite été élue Miss Coupe du Monde 2006 suite à une compétition organisée à Rust, dans le sud-ouest de l'Allemagne, à l'occasion du Mondial 2006. Déjà en mars 2009, la rumeur courait à Lomé que l'une des reines de beauté serait enceinte du chef de l'État togolais, Faure Yassingbé. Dans sa parution numéro 14, l'hebdomadaire togolais d'information InfoSud titrait « La Miss vient de donner naissance à un petit garçon au président ». Les faits seront ensuite démentis par l'entourage de la Miss. Cette relation présumée sera totalement officieuse. Après avoir été employée à la Banque Atlantique Togo, et depuis les événements sur sa grossesse, elle a séjourné à Londres, puis à Paris. En dehors de ces femmes, plusieurs autres de l'entourage du président Faure font l'objet de rumeurs sur des probables relations au-delà de celles professionnelles qu'entretiendraient ces dernières avec le plus jeune président de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment de Victoire Tomega Dogbe. À 61 ans, elle est nommée Premier ministre du Togo depuis septembre 2020. Elle a d'abord été directrice de cabinet du président, ensuite ministre du Développement à la base, de l'Artisanat et de la Jeunesse dans le précédent gouvernement. Elle est dans les couloirs de la présidence depuis près de 12 ans, après avoir divorcé avec son ex-mari avec qui elle a eu 3 enfants. Ses attaches avec la famille Yassingbé remontent au moment où elle était encore assistante représentante résidente chargée des opérations du PNUD au Togo. En 2008, alors qu'elle est au PNUD au Bénin, le président de la République Faure Yassingbé lui fait appel pour occuper le portefeuille du ministre délégué auprès du premier ministre chargé du développement à la base, créé pour l'occasion. Ensuite, nous avons Madame Rekia Madougou. Rekia Madougou, 46 ans, est une femme politique d'origine béninoise. Elle a été ministre dans le gouvernement du président béninois Boni Yayi et occupe depuis avril 2016 le poste de conseillère spéciale du président togolais Faure Yassingbé avec rang de ministre. Sa proximité avec le président nourrit des rumeurs d'une relation plus que professionnelle dans l'opinion togolaise. On lui reprochait également, en prélude aux élections de 2020, de recruter des activistes pour valoriser l'image du président, chose qu'elle a tout de même démentie plus tard. En 2020, arrivée aux obsèques du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly décédé, la photo de Faure accompagnée de Rekia avait également fait polémique. Cette proximité de Rekia Madougou avec le président togolais lui vaudra le refus de parrainage dans le cadre des élections présidentielles de 2021 au Bénin, auxquelles elle a manifesté l'ambition d'y participer, et ceci face aux soupçons de conflit d'intérêts avec le voisin. Le président Faure est longtemps resté célibataire que l'on se demande s'il y aura encore une épouse officielle. Cette situation peut s'expliquer par l'influence de sa mère sur ses relations. À en croire certains, elle décide pour beaucoup de qui est bien pour son fils. Elle est également très présente aux côtés de son fils. Le 28 janvier 2016, pendant que Faure effectuait une visite officielle au Vatican, il était accompagné de sa maman, Sabine Mensa. Et loin d'être confinée dans un rôle de figurante, Sabine Mensa était aux premières loges, bien mise en évidence. C'est elle qui était à ses côtés lors de l'audience à lui accordée par le pape François comme un officiel. Au point où Sabine Mensa fut présentée par les journalistes du Vatican comme l'épouse du chef de l'État
et donc la première dame du Togo. Et c'est plus tard qu'ils ont rectifié l'information. La fréquence de Sabine Mensa aux côtés de son fils au cours des voyages officiels comme privés n'est pas négligeable. Sabine Mensa est l'une des nombreuses épouses du feu Yassingbe et Yadema, et n'ayant pas eu la chance d'avoir eu les privilèges d'une première dame pendant les années de pouvoir de son mari, serait-elle en train de hanter le fauteuil de première dame de son fils? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Eh bien, nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous en avez appris quelque chose, laissez-nous un pouce. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos similaires. Ciao et à demain pour une nouvelle vidéo sur la tour de contrôle.